There are rumors that Lost could exist, movie, TV, spin-off, etc., after the finale. Do you think that should happen? No. I absolutely do not think it should happen. I think it's, it's bittersweet that the season's ending and we have to move on and cast and all that, but the show is going to end with integrity and truly be about the story. So I agree with that 100%. And but completely outside of us. Yes. 10 years down the line. Yes. Like me. Someone reinvents Lost. I might have to check that out. I might have to check that out too. Come no, on. No, that's like sacrilege. Did you see Star Trek? Good there point. There you go. Entre remake et reboot, des centaines d'œuvres renaissent chaque année, que ce soit dans le monde du cinéma, du jeu vidéo, bien sûr de la série. Alors, si je fais partie des personnes qui déclarent qu'une suite à Lost serait vraiment une mauvaise idée, je dois pourtant avouer qu'une partie de moi s'émerveillerait de revoir notre île préférée, avec les moyens d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, autorisons-nous à imaginer à quoi pourrait ressembler un reboot de Lost. Bon, soyons clairs tout de suite. Ce serait une très mauvaise idée de revoir Kate, Sawyer et toute la clique. Leur parcours est terminé, peu importe ce qu'ils ont fait une fois sortis de l'île, on sait qu'à leur mort, ils se rejoignent tous pour rejoindre l'au-delà. Il ne faut surtout pas toucher à ça. Qu'on nous fasse pas toute une aventure où en fait Sawyer et Kate trouvent des gens avec qui ils vont être heureux, épanouis et tout, non. La fin de la saison 6 n'aurait plus aucun sens. Mais en revanche, c'est vrai que ce serait cool de reprendre l'histoire à notre époque, aujourd'hui. Mais avoir de nouveaux personnages si tôt, pas sûr que ce soit une bonne idée. Un bon moyen de reprendre serait de reprendre avec un des personnages très secondaires auxquels on a très peu touché, et deux des personnages qui ont quand même un lien avec nos survivants. Alors quoi de mieux que de faire une série sur l'héritage de nos survivants, sur leurs enfants qui ont grandi, qui ont genre maintenant 30, 40 ou 50 ans. Aaron, fils de Claire, Jaeon, fille de Jinesun, Clémentine, fille de Sawyer, ils pourraient se retrouver au cœur de mystères liés à leur destin et l'île. Peut-être que la série pourrait d'ailleurs nous faire croire que ce sont de nouveaux personnages et qu'on comprenne au fur et à mesure des épisodes qu'ils sont Aaron, Jaeon et Clémentine. Sur le papier, c'est une idée qui me plairait beaucoup, je crois. Jaeon a été conçu sur l'île et Aaron est né sur l'île. Rien que ça, ça ouvre beaucoup de possibilités quant à leur réelle nature, à leur réel destin. Ce reboot pourrait même nous apporter des réponses sur le destin extraordinaire que semblait avoir Aaron. À l'époque de la diffusion, sur les forums, il y avait tout ce délire de Aaron, futur Jacob, il y avait beaucoup qui croyaient, alors je me dis, pourquoi pas on pourrait reprendre cette idée-là. La série pourrait nous parler de son aventure à lui, Jaeon et Clémentine, pour trouver l'île, pour qu'ils comprennent le sens de leur vie, ou au contraire, la série commencerait avec leur crash accidentel sur l'île. En mode, l'île les a rappelés. Cette série nous permettrait même de revoir un peu, et je dis bien juste un peu, Hurley et Ben en charge de l'île. Si on les voit trop, ça pourrait casser la symbolique de la fin de la saison 6, je trouve. Mais un peu de fanservice pour les fans, juste un peu, ça peut pas faire de mal. D'ailleurs, on peut imaginer que c'est Hurley qui a appelé Aaron, Jaeon et Clémentine sur l'île pour je ne sais quelle raison. Genre une nouvelle menace. D'ailleurs, à la fin de la saison 6, beaucoup de fans ont imaginé que puisque Jack était entré dans la source après avoir tué le monstre, il était devenu le monstre une fois mort. On en a parlé dans cette vidéo, voilà, je vous la mets en fiche aussi. Allez voir ça, cette théorie est vraiment très cool. Mais ça pourrait être très cool que cette théorie soit vraie dans le reboot, il pourrait y avoir genre le monstre qui surgit, à Aaron qui s'apprête à fuir, et puis il y a Hurley qui le prend par le bras et qui dit « T'inquiète, c'est ton oncle ». Faire un reboot qui se passe une vingtaine ou une trentaine d'années après les événements de la série pourrait aussi permettre aux nouveaux showrunners de mettre quelques lumières sur des zones d'ombre de la série originale. Et revoir Walt aussi par la même occasion. Lui aussi digne héritier de nos premiers survivants. À l'opposé de l'héritage, nous avons les origines. Revenir aux origines de l'île.
Across the Sea, épisode centré sur le passé de Jacob, qui aurait dû nous apporter beaucoup de réponses, nous a finalement laissé avec encore plus de questions. Pourquoi Mère est-elle la protectrice de la source? Comment l'est-elle devenue? Est-ce la première ou y avait-il d'autres protecteurs avant elle? Comment a-t-elle trouvé l'île d'ailleurs? D'où vient-elle? De quelle époque? Le reboot pourrait se focaliser sur les origines de la source et de la nature si particulière de l'île, y découvrir les premiers conflits, les premiers mystères. Peut-être que la série pourrait justement avoir l'origine de l'île comme mystère principal, avec un peuple ancien qui essaie de la comprendre, de l'étudier. Non mais en fait, rien que d'en parler, ça me donne aussi envie ça finalement. Cette nouvelle série serait là pour creuser à fond le lore de Lost, et par son intrigue si éloignée dans le temps, elle ne pourra jamais faire de mal aux 6 saisons que nous avons connues. Ainsi, elle permettrait de répondre aux 6 premières saisons sans jamais y toucher, et combler les fans qui veulent des réponses au sujet de l'île. Ce reboot pourrait commencer en des temps reculés, comme au temps des premières civilisations par exemple. Les personnages principaux pourraient être des Sumériens, ayant trouvé l'île ou carrément une civilisation propre à l'île, une civilisation qui a toujours vécu et qui a évolué indépendamment du reste du monde. Un peuple originaire de l'île, ça pourrait être frais et mystérieux. Les rites des protecteurs de l'île, le pourquoi du comment, la raison à tout ça, tout pourrait nous y être présenté. Et aussi une idée qui pourrait, ma foi, être très satisfaisante. Cette série se terminerait là où Across the Sea commence, sur la naissance de Jacob. Lost serait le cycle de Jacob et le reboot le cycle de sa mère ou d'un protecteur précédent. Et peut-être qu'on va avoir plein de spin-offs avec comme idée de base de nous présenter un cycle de gardiens différents à chaque fois. Comme pour l'héritage qui serait le cycle d'Aaron ou de Walt par exemple, chaque protecteur a ses propres règles, ses propres enjeux, ses propres objectifs, et donc chaque protecteur ne mérite-t-il pas sa propre série? Une super idée, à moins que la meilleure idée soit en fait la suivante. Bon, je vous l'avoue, c'est celle-ci mon idée préférée, mais je vous explique pourquoi. Tout au long des 6 saisons, les personnages ont découvert tout un tas de structures égyptiennes. La statue de Taouret, la pièce pour invoquer le monstre, le phare, et on retrouve des hiéroglyphes un peu partout, comme sur le mur du temple, et même, chose curieuse, près de la roue gelée. Et je dis chose curieuse car à en voir vos commentaires, c'est vraiment quelque chose qui vous intrigue. Comment les Égyptiens ont-ils pu arriver sur l'île après Jacob, dont la mère vient de l'Empire romain? Niveau chronologie, il y a un truc de pas net, certes, mais justement, ce reboot serait un bon moyen de nous révéler tous les secrets des Égyptiens. Ont-ils voyagé dans le temps? Ou étaient-ce des Égyptiens qui ont fui les Romains et qui sont arrivés sur l'île? Ou les Égyptiens étaient-ils en fait sur l'île depuis bien plus longtemps? Je vous avoue que les Égyptiens dans Lost, c'est le truc qui m'a le plus fasciné lors de mon premier visionnage et du coup sûrement le plus frustré. Je veux dire, je voulais en apprendre tellement plus à propos de leur rôle dans l'histoire de l'île. Au moins un petit flashback, me disais-je. Mais aujourd'hui, si on peut avoir une série carrément sur eux, je ne dirais pas non. Au contraire, on en apprendrait plus sur l'île sans toucher aux 6 saisons, mais en ayant quand même un lien avec nos 6 saisons. Découvrir leur implication dans le plan de Jacob, découvrir comment le monstre les a manipulés pour qu'ils croient qu'il était un dieu, découvrir pourquoi ils les ont laissés repartir, comme le suggère la tapisserie de Jacob. De plus, nous sommes dans l'ère des séries historiques fantasy, avec The Witcher, Narnia, le spin-off de Game of Thrones, la série du Seigneur des Anneaux, la roue du temps. Lost pourrait surfer sur cette vague, mêler l'antiquité et la magie de l'île. On y verrait la construction de la statue, du bouchon du cœur de l'île. En fait, on pourrait y voir toute la mythologie que l'on connaît se construire au fur et à mesure des épisodes. Les Égyptiens pourraient même avoir leur flashback en Égypte antique, et la série nous montrerait comment leurs croyances et habitudes ont peu à peu dessiné le paysage de l'île. Bon, voilà, c'était 3 idées pour un reboot hypothétique de Lost. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle idée vous préférez, voire carrément de proposer vos propres idées. Mais n'oubliez jamais que, reboot ou non, l'île n'en a pas fini avec vous.